Bienvenue sur notre exploitation, l'ERL des Noisetiers à Turé dans la Vienne. Donc l'ERL des Noisetiers cultive 80 hectares de terre donc en céréales. Nous en faisons 70 en entreprise, donc 70 hectares bio. Et donc le gros de notre activité, c'est le melon. Donc en 2014, nous avions 57 hectares de melon, dont 2 hectares en melon bio. Vous voyez, ce sont des graines de melon et c'est le point de départ de notre activité. Ici, vous êtes dans le centre névralgique de notre entreprise. En pleine saison, il y a environ 10 personnes qui s'affairent ici donc à vider les palox, à trier les melons, à mettre en colis, à expédier. Nous cultivons le melon dès le départ, c'est-à-dire à partir des graines. Donc sous serre, nous ensemençons les graines de façon à cultiver les plants. Et une fois que les plants sont à maturité, nous les mettons donc en place dans les champs, les risques de froid n'étant plus là. Donc pour réduire les charges, on cherche à réduire les traitements phytosanitaires, les coûts de main-d'œuvre à l'hectare également. Ce qui fait un bon melon pour nous, c'est le soleil, qui favorisera aussi bien sa qualité interne avec le sucre que sa commercialisation avec sa consommation. La culture des céréales sur l'exploitation, donc c'est 80 hectares. Et dessus, on fait 5 cultures. On fait du blé, du maïs, du tournesol, colza et de la févrole. On est dans un champ de colza donc, qu'on a semé au 15 août avec un couvert associé. Donc on a semé de la lentille avec. L'idée c'est d'avoir plein de végétation de façon à ce que les insectes d'automne soient un peu perdus dans cette masse verte et ne puissent pas trop attaquer le colza, ce qui me permet d'éviter de faire des insecticides. Donc au niveau de la gérance, vous avez deux associés, donc Alexandre et moi-même. Nous sommes à équivalence dans l'entreprise. Donc en termes de décision, elles sont prises systématiquement ensemble. Oui, être à deux sur l'exploitation, ça nous permet des fois de dire chacun notre idée et après de discuter et choisir la meilleure. Pour résumer, on est vraiment sur la même longueur d'onde, quoi. Comment on envisage l'avenir ? Eh bien voilà, nous avons une société donc, que l'on maintient à l'heure d'aujourd'hui, qui est performante et nous avons pour objectif de l'améliorer. On continue à travailler comme on le fait, c'est-à-dire à bien maîtriser les charges. Mon rêve serait de transmettre cette entreprise en meilleure santé encore que je ne l'ai eue, mais dans les mêmes conditions qu'on a pu l'avoir. Le regard que je porte sur cette entreprise est un regard très positif. Les dirigeants sont de jeunes agriculteurs qui se sont déclarés très volontaires, réfléchis. Il y a une maîtrise du risque de leur part. Les dossiers sont toujours très clairs, précis. On sait où on va, eux aussi. C'est du bonheur. L'avenir, on l'envisage avec sérénité, étant donné que ce sont de jeunes agriculteurs sérieux, donc on peut leur faire confiance.